Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Super Challenge, épisode 39. Aujourd'hui, nous allons réaliser un défi qui m'a été proposé par Shadow7X, c'est-à-dire de réussir le GB10 et le DB10 avec du full ignore death. Le nécro, c'est trop dur, mais tente quand même si tu veux. PS, je considère Tao comme presque un ignore death. On va pas utiliser Tao pour le bien de la vidéo tout de même, parce qu'on demande un ignore death, mais bon. Tao, c'est vrai qu'il tape tellement fort, mais quand même. Tu peux t'en servir pour ce défi si tu veux, bonne chance, je prédis déjà la victoire. Alors merci à toi de m'avoir proposé ce défi. C'est un défi qui est vraiment très sympa, que je trouve vraiment très original. Pour Ignore Death, il y en a vraiment un paquet d'Ignore Death du genre Skugul, du genre Lucien, du genre Odin également, même Kali, enfin il y a plein d'Ignore Death comme ça, Icarus qui est Ignore Death. Il y a vraiment un paquet d'Ignore Death. Je pense qu'on peut vraiment s'amuser, on peut faire une compo vraiment très sympathique. Petit message à toi Shadow, vu que tu regardes plus trop mes vidéos. Merci à toi de m'avoir offert cette coque il y a pas mal de temps. Je t'en remercie. Bon, c'est peut-être pas grand chose pour toi, mais ça fait vraiment plaisir de voir ça. C'est un petit souvenir de ta part et ça me fait vraiment plaisir. Et je te remercie d'avance de m'avoir offert cette coque, ou plutôt cet étui, on va dire, parce que c'est vraiment un truc de fou, hein, l'étui, hein, s'il te plaît. C'est un truc de fou. En tout cas, merci à toi de m'avoir offert ça. Je te fais des gros bisous. Bref, passons à la démonstration pour vérifier si je vais y arriver ou pas. Pour en revenir au défi, j'espère réussir au moins le GB10 et le DB10. Le Nécro, on va dire que c'est un bonus parce que c'est vrai qu'en Nécro, full ignore death, c'est presque pas possible, hormis d'avoir une team extrêmement bien runée, bien speedtune. C'est possible honnêtement si on a un Yapu, tout ça. Honnêtement, je peux pas runner tout le monde, donc je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai de runé actuellement. Je pense que ça va se voir sur certains mobs. Hein. Ça va se voir, ça c'est sûr. Mais si on arrive à faire au moins du 2 sur 3, c'est-à-dire si on réussit par exemple le géant et le Nécro, ben, le défi est gagné, mais si on en réussit juste un seul, le défi est perdu. Donc j'espère réussir au moins deux donjons, ce sera pas mal. Parce que franchement, les trois, je ne sais pas. Je suis déjà pas sûr pour le dragon, en écrou encore moins. Mais le géant, je suis plutôt sûr d'y arriver. On se retrouve tout de suite pour la démonstration, c'est parti.
ça soit terminé. Bon, ça a été un défi assez compliqué, surtout au nécro. Vous avez pu voir, franchement, j'ai failli le tuer au moins une fois. C'était limite, mais j'aurais pu, mis à part que Skrull, franchement, je trouve qu'il m'handicapait énormément de la team. Peut-être que j'aurais dû utiliser Yaku, je pense que ça aurait été un peu plus utile dans le sens où il avait un peu plus de multi-hit. J'aurais dû anticiper ça, je dirais que j'ai pas trop anticipé le nécro. Le dragon, je l'avais anticipé par rapport à Kali, parce que Kali est plutôt sympa en dragon, mis à part qu'elle a limite rien fait, parce que c'est pas elle qui a fait les dégâts, c'est les Lucien et Faye. Mais bon, c'est plutôt passé, ça fait plaisir, on est content d'avoir aussi ce défi. En termes de score, nous sommes sur du 35 à 4. Affiche-moi le petit score, 35 à 4. C'était un défi vraiment très sympa que j'ai trouvé assez compliqué, franchement. J'aurais vraiment pu perdre. Si Faye avait raté ses Irlandais sur le dragon, je suis sûr que j'aurais perdu le défi. Parce que franchement, les défis, du manière générale, j'aime bien les faire d'entrée. Si je l'ai fait en plusieurs essais, réellement, enfin, il y a quelques défis que j'ai fait en plusieurs essais, mais c'était des conditions particulières. Mais ce genre de défi, je préfère les faire d'entrée, réellement. Dans le sens où recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que je gagne, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais franchement, je pensais pas du tout que Faye allait ignore def autant sur le dragon. Je pensais pas du tout, franchement toutes les boules presque sont passées sur lui. Je suis vraiment très surpris de sa part parce que dans certaines vidéos, elle ignore jamais la défense. En tout cas, merci pour ce défi, j'espère que ça t'aura plu en tout cas, ou que ça vous aura plu également. Si vous avez d'autres défis à me proposer, n'hésitez pas à aller dans vos registres qui se situent dans le Discord. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner pour qu'on soit le plus nombreux possible, à checker le cloche autour de la chaîne là. Là sur Discord, vous retrouvez bien sûr sur la bannière de ma chaîne YouTube et sur la description de toutes mes vidéos pour des summons, des reviews, les défis du soir à mardi, bien évidemment, pour me proposer vos défis pour pouvoir essayer d'interagir avec vous. Sachez que ça se fera une semaine sur deux. Mais aussi, n'hésitez pas à aller dans le registre FAQ Ask pour me poser vos questions un peu de moi par rapport au jeu pour le futur vidéo qui est ce que d'arriver dans 2-3 semaines, donc allez-y vite. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée à vous et on se retrouve en prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!